Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Bedwars. On se retrouve là où tout a commencé. Il y a exactement un an, j'allais passer les 300 stars, j'allais passer les 5 FKDR et surtout j'allais passer les 1000 abonnés. Un an après, on se retrouve, je vais passer les 600 stars, j'ai bientôt les 10 000 abonnés, j'ai déjà les 10 FKDR. Mais voilà, je suis assez fier de l'évolution qu'on a vue en un an. Alors certains diront que 300 stars en un an, c'est peu et ils ont raison. J'ai très peu joué cette année, c'est pour ça que l'objectif a été très dur, parce que les niveaux sur iPixel c'est principalement du temps de jeu, et donc c'est ce qui est le plus long en fait. Là j'ai bien pensé à désactiver l'auto-quest, histoire de pas faire des quêtes en trop accidentellement. Normalement la quête des challenges et la quête des Game on Dream, je peux pas les faire, celle-là du coup je ne l'ai pas activée. D'ailleurs il faut que je fasse attention, avec l'event de Noël il y a des gifts qui vont donner l'XP. Le but ça va être d'atteindre pile le niveau 600 et pas faire ce qu'on appelle de l'over prestige. En gros c'est quand par exemple on va passer directement du niveau 599 au niveau 601 ou 602. Genre c'est pas rond, c'est un peu moche. Nous ce qu'on veut c'est vraiment atteindre pile le niveau 600. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait dès que tu passes un prestige, les niveaux d'après sont beaucoup plus simples à passer, les premiers niveaux. Du coup on peut vraiment over prestige très facilement. Mais bon, normalement ça devrait le faire si on calcule bien notre XP, tout devrait bien se passer. Du coup on se retrouve pour la première game sur Crypt. Je pense pas que je vais toutes les commenter pour la simple et bonne raison que je pense que je vais devoir faire une vingtaine de games, genre environ 25 je pense. Hop. Et bah si je fais une vidéo avec 25 parties entières, full commenté et tout. Oh putain je suis allé vachement loin. Et bah ça va durer genre 2h45. Et c'est pas ce que j'ai envie que ça fasse. Oula, ok. Je vais avoir besoin d'un petit échauffement là, je sens. C'est vraiment terrible mon niveau. Pour ça je pense que je vais surtout faire une sorte de genre best-of ou de compil. Peut-être que s'il y a vraiment genre des games intéressantes. Je fais une vidéo entière. Après ça se trouve c'est juste ma mémoire qui flanche. Hein. Je crois pas qu'il y ait de mecs ici. Hop, on est déjà 2 bêtes sur 25. Ça fait plaisir. Oh le malade, mais à quoi tu joues mec? Oh, aïe 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 aïe. Ok, c'est bon. Il va vouloir partir en mid, je pense que je peux le rattraper. Hop, là il atteint pas le mid, c'est bon. Ok. Plus qu'un final kill pour les 17100 que j'étais atteindre dans la dernière vidéo, mais du coup on a dû taper un clutch. C'est pour bien vous montrer que je ne joue plus en Bedwars. Ça genre, entre deux vidéos, il n'y a vraiment pas de changement. Hop. Ok. Nice. Je vais lui laisser. Je suis pas un rat. Vas-y. Ah bah. Ok. Ah il me le laisse. Je sais pas, il a eu le bed. Hop. Surtout que j'en ai eu des final kills cette game, j'en ai eu 4. Hop, j'ai pas le son du jeu très fort. Ok, je devrais avoir le bed. Du coup on est à 3 beds déjà. Ok, je devrais avoir le final lui aussi peut-être. Ok, let's go. Non, je suis arrivé un poil trop tard. Ok, j'ai eu le rouge. Let's go, j'ai le rouge. On est déjà à 17104. Ok, je devrais avoir le leader jaune, sauf s'ils ont un piège. Ça m'étonnerait même pas qu'ils ont... Ok, ils ont un piège. Après, s'ils ont que deux... Ok. Ça c'est fait. Ok, lui il est mort. Hop. Et en plus on gagne la game, je donne le gift. Donc là on est bientôt... Enfin on est pratiquement niveau 598. Il manque encore une vingtaine de beds. Hop. Non, je crois que c'est trop tard. Oh quoi qu'attends, ils mettent que de la laine là. Ok. Ah oh, bah il était tout seul dans sa team, ok. Ah non, c'est que l'autre il avait déco. C'était le bot. Il attend vraiment qu'il meure. Oh, il me laisse le bed. Oh, mais c'est un ange ce mec. Mais il est trop gentil.
C'est... Il est... Ouais. Un peu particulier. Wesh. Wesh. Y a pas à mettre des coups comme ça. J'avais l'impression que c'était Diavolo dans Jojo. Et qu'on on combattait pas sur la même temporalité. On ne saura jamais. Ok. Ok, du coup je suis passé niveau 598. Non, arrête, please. Ok, c'est bon. Ink. Normalement, il le tue. Ok, c'est bon. Ça, j'évite de prendre des dégâts de chute bêtement. Ok, la spawn prot. Please. What the fuck? Si je le tue, par contre, c'est incroyable. Mais quoi? Allez, please, 1. Non, ok. Chier quand même. Il faut tomber un de ces quatre, monsieur. Faut que je l'aie. Faut que je... Oh! Non, ils avaient tous les deux 2-3 HP. Mais au moins ça va, j'ai eu le bait, j'ai fait une MLG bien stylée, bien incroyable. Ok. J'ai pas switch sur mon épée en fer. Ok, bon, ça, on l'a quand même tué. Mais ouais. Ok. What the fuck? Qu'est-ce que je viens de voir? Allez, viens, arrête de tower. J'ai que 10 blocs. J'ai que 10 blocs, s'il te plaît. Oh, j'ai pas. Oh, let's go, je l'ai eu. Je vais me suicider pour respawn. Et ensuite, je vais aider mon allié avec les bleus. Vas-y, y'en a un, il a que 6 HP. Oh ouais. Les deux ils sont low mais je sais même pas si on a un piège ou non. Ok, c'est good. Oh ouais. 0 HP. De toute façon là il peut pas venir, je crois il a pas de gapple, sinon il aurait déjà régen. Mais attends, mais il est complètement débile. Ah ouais, voilà, il est mort. Ok. Et il a dit easy. Je... Ok. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le serveur, parce que je crois que j'ai joué genre hier et c'était pareil, genre ça laguait de ouf. Mais genre vraiment tout le monde avait genre 5000 MS. Oh ouais, on va pas pouvoir jouer. Regardez, c'est exactement ça, j'ai 3000 MS. C'est absolument pas ma connexion. Oh non, c'est un scandale. Regarde, j'ai respawn direct. Ça c'est pas ma connexion genre. Mais le truc, c'est que je sais pas si tout le monde lag ou pas. Parce qu'il y a des gens, genre, ils ont l'air de s'en foutre, mais... T'as la moitié des joueurs de la partie, ils lag comme des porcs. Ok. Pitié. Ils ont un piège. Allez, fou, allez, pitié. Ouh! Joie, bonne humeur, trop content. Allez, y'a... C'est abusé. Là, j'ai quoi? J'ai cassé deux bêtes. Pff, il tombe tout seul, vas-y. Ok, alors, j'ai eu 2-3 petits soucis. Je sais pas pourquoi. J'ai fait des games absolument abominables. Et genre, j'étais vraiment très très bien parti pour Over Prestige, malheureusement. Donc, ce que j'ai dû faire, en fait... C'est through the game. C'est à dire qu'en fait, si je continue à gagner mes parties,
j'allais overprestige, donc j'ai dû faire des games, genre casser 2-3 bêtes pour la quest et juste slash up et repartir. Parce que si je gagnais la partie, en fait j'allais gagner genre 200 XP à chaque fois et j'allais monter beaucoup trop haut. Du coup là je suis monté à 24 bêtes cassées, vous voyez, il m'en manque plus que 1. Et du coup on est niveau 598 avec 1500 d'XP, donc il me reste encore 3500 et 1 bête du coup. Du coup là c'est bon, on est bon, j'ai bien rattrapé. Et malheureusement ça m'aura coûté 0,02 de FKDR. En gros c'est 20 final kill, donc je devrais les faire normalement. Mais il se pose la question du coup des prochaines games qui vont être absolument catastrophiques normalement. Et du coup d'un côté bah ça me fait un peu chier genre de que mes dernières games de Bedwars, de grind, ce soit des games abominables. Genre c'est vraiment pas l'image que je voulais garder du Bedwars, mais d'un côté en fait ça représente assez bien genre la situation actuelle. Parce que maintenant le Bedwars c'est ça quoi. C'est que des games comme ça. Donc bon. Pourquoi tu fais ça, mec? Pitié. Pitié. Mais hit. S'il vous plaît. Genre, c'est le dernier jour. Oh, comment je galère. C'est trop abusé. Sniper. Ah, c'était le vert et il a perdu en plus. Oh, ah ouais, c'est chaud. Comment tu peux snipe et en plus perdre, genre. C'est incroyable. Pour ça, je suis un peu deg, je peux même pas finir sur ma map préférée parce qu'ils l'ont retirée pour la deuxième fois en vraiment genre 2 mois. Je sais pas ce qu'ils ont contre cette map, mais ils la retirent à chaque fois. Ah. Est-ce que mes hits sont... Oh. Là, si je peux avoir le lit des blancs, ce serait bien. Faut que je sois rapide histoire que l'autre y revienne pas. Ok, bon, j'ai l'impression d'avoir un délai de fou quand je tape. Mais j'ai aussi l'impression de butterfly n'importe comment. Donc ça pourrait s'expliquer. Hop. Mais le pire c'est que genre. Dans mes souvenirs, iPixel ça laguait pas comme ça. Hein. Genre il y a un an c'était pas aussi grave le lag. À moins que ce soit ma mémoire qui se soit corrompue et... Qu'avant c'était pas comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est que depuis il y a un an que vraiment ça lag, mais genre très fortement. Ok. Good. Oh. On le voit, le bout du tunnel. Ok, j'ai vraiment cru qu'il allait me taper là. Hein. Je sais pas comment il a fait pour pas le faire surtout. What the fuck? Ok. On aura appris à nos sneaks, c'est déjà ça. Le pire, c'est Crypt, c'est même pas une map que j'affecte particulièrement. Je trouve juste qu'elle est genre dans les moins pires. Mais elle est pas forcément si bien que ça. Ah, mais il y a des mecs chauds dans la game en fait, j'avais même pas vu. Il a une épée en fer, le malade. Ok, il est mort. Il reste que son pote, bon lui il veut me tuer. En vrai il les gère hein. Ils sont chauds pourtant, hein. Il y a un 700 stars, un 600 stars dans leur équipe. Bon, normalement il va aller nulle part. Hein. Voilà. Maintenant on va pouvoir aider mon allié. Là ça va être le truc intéressant. Un 2v2, 2 500 stars contre un 700 stars, un 600 stars. Je sais pas s'ils vont jouer genre l'opsy ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Pas chercher à comprendre des fois. Oh vas-y, le team play.
Zuo. On push. Putain, je crois qu'il avait un trap. Ah ouais, c'était ça, merde. Oh, mais c'est des malades, mais c'est trop grave. Non, en bas. Il va pas se battre. Regarde-le, mais c'est trop grave. Stomp. Ils savent que faire des ponts. Ils se sont crus sur eux, MC Prix HD. Oh, putain, ça fait trop tilt. Il a eu l'embed. Il en a fait une ultime. Hein? J'espère qu'il fuit, qu'il tente pas le diable. Surtout si genre, il a eu un peu. Oh, il est mort. Putain. Il a 50 000. Ok, il est là. Il est juste derrière moi. Ça, des potions. C'est un malade. Il est parti. Merde, putain. Je fais de la merde là. GG. Ça, on rompiche fort, hein. Et ça accuse à éteindre. Tu peux mourir s'il te plaît, genre t'as pas de vie en fait. Hop, voilà. On aime bien quand les coups passent. Lui il est au courant, non? Ok, il était pas du tout au courant. Ok. Il a une meilleure épée. En vrai, même si on fait des games horribles aujourd'hui, le seul truc qui est important, c'est qu'on finisse sur une note positive. Genre, si les dernières games, elles sont bien, c'est vraiment genre tout ce que je demande. Oui, mais ils ont sharpness. Allez, allez, mon gars, allez. Ok, ok, GG. Good. Et il part dans l'espace, putain. Me saute pas dessus, je t'aide. L'explosion qui l'a tué. Est-ce qu'il y en a un qui va tenter? Ou est-ce qu'ils vont genre rester en sneak dans leur... J'ai pas vu Peaky Blinders, mais je crois qu'ils ont des comptes qui matchent. Dites-moi si c'est bien comme série, je regarderai peut-être. Mais j'ai même pas l'avantage.
Non. J'ai essayé. Eh bien, mon petit Marcus. Ici. Il y a encore des gens avec des skins cheetahs. Master of Poop. Incroyable pseudo. Ça, c'est à cause de la map. Tout de suite, qu'on sait pas. Mes os. C'est direct plus chiant. Oh, ça, c'est un peu. Non, mais quoi? Ah, quand même. On est largement plus de la moitié là. Ok, la qualité devrait avoir baissé. Parce qu'en fait, genre, ça fait tellement longtemps que je recorde que mon disque dur il est en PLS. Hop, sachant qu'il y a déjà des vidéos que j'avais prévu de monter et qui du coup sont sur mon disque dur. Sachant que, genre, généralement, quand je recorde une vidéo, elle pèse genre entre 30 et 40 gigas. Et que j'ai pas un disque dur très très grand. Et bah, généralement, j'évite de record plusieurs vidéos en même temps. Le problème, c'est que celle-là, elle dure tellement longtemps. Ok, bah, je vais juste partir de l'autre côté. Parce que les cris, sinon, ils vont être relous. Allez, on vous regarde, les gars. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh, j'ai pas eu les deux. Je pensais pas qu'il était aussi low. Ouais, il est là. Hop. Oh là, je meurs par contre, malheureusement. Ouais. GG. Désolé, Woody. C'est pas toi, c'est pas ta journée. Ouais, qu'est-ce que. D'où il sort? Pourquoi sort-il aussi? C'est une question qui mérite d'être posée. Bon, les mecs qui jouent à Léa Passion Camping, il y a l'air d'en avoir pas mal quand même en ce moment. Bah, il est où son pote? Eh, hey, mon gars! Ouais, quand même. Ah, il était là. Salut. On vient de passer les 4000 d'XP, on est à 80%. Qu'est-ce que c'est que cette MLG? Vous êtes... Mais what the fuck? J'ai jamais fait une MLG, je crois aussi. Genre, j'étais clairement... Genre, tu vois, c'est normal de faire une MLG quand t'es déjà dans le vide. Mais là, c'était tellement close. Oh, deuxième MLG. Si je meurs, par contre, je suis dégoûté. Et puis, il m'a volé mon kill, mais non, mais... Oh, c'est dommage, ils se font double rush. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Oh, c'est... je suis vraiment tellement triste pour eux, là. Oh, c'est dommage, j'ai survécu. Non. Y a le message de kill. Je peux pas le... Attends, parce que lui, du coup, maintenant, il va essayer de... Ah non. Ok, bon, my bad. La baffe. Ok, bah, c'était le dernier. Nice. Allez, venez. Non. Baseball. Let's go. Ça par contre, s'il meurt tout seul, j'aime bien. Parce que c'est moi qui le kill. Quoi? Ouais. Ah, il est là, ok.
J'avais pas capté. Et elle cherche à s'en aller du coup. Il a une armure en diamant? Non. Je crois, ouais, je crois que c'était le cas. Ok, bon bah GG. Il en reste plus que deux games à faire. Ok, c'est good. Si je prends une apple, puissant de pouvoir régène. Ah mais il reste plus que lui. Et il est mort, ok. Voilà. Ouais, comment j'ai fait pour autant me rater? Alors c'est peut-être la dernière game probablement. Donc je vais essayer de de la commenter. Hop. Je pense que la première et la dernière, c'est un petit peu le plus importante. Comme ça, je peux faire un petit débrief en même temps, histoire de pas rallonger la durée de la vidéo. Je fais un petit peu tout le Bed Wars. Mais c'est vrai que les games ont été plutôt longues là, je vais pas vous mentir. Et le Bed Wars c'est très différent de du Bed Wars d'il y a quelques années. Bien évidemment, je vais prendre hop tous les gifts. Histoire de maximiser mes chances. Parce que ça se trouve, ça sera pas ma dernière game. Je vais peut-être en avoir besoin d'une de plus. Ok, non, là c'est bon. Ça devrait être bon. Parce que mon allié a aussi claim un gift. Non! Non, je me suis fait tout arnaquer, non. Ok, bon, j'ai quand même eu le bed, mais... Oh, je suis dégoûté. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris. Sniff. Je termine avec un bed broken, j'en ai même pas tué un. Ni de jaune, ni de verge. Ça pue, sa mère. Je suis dégoûté. Après, ils ont pas une bonne défense, hein, les verts. Let's go. Tu peux en tuer un sur le chemin, ce serait cool. Ok, let's go. Oh, il lag. Oh, c'est horrible. Hein? Quoi? Hein? D'accord. Ouais. On va dire que c'est le Bed Wars en 2021. Ce sera le Bed Wars de 2022. Non, en vrai, ça se trouve, ce sera pire en 2022. Grosse force à ceux qui vont jouer en Bed Wars en 2022. Je pense que vous en avez besoin parce que là ça va être spécial. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la game à 2 beds, 0 final kill, j'ai envie de mourir. Sérieux, mais c'est quoi? Aïe aïe aïe. Je joue en full automatique, j'ai même pas ni la force ni l'envie de tryhard vraiment. Je pense que je vais me remettre à normal click. Hein. Parce que de toute façon, même quand je butterfly, quand je réduce et tout, je me prends des salves de coups hein, carrément. Oh vas-y les deux camps. Wesh. Ah. Ah, vas-y, viens. Tu vas me tuer, oui. Mais... Ok, bon, là, c'est juste moi qui étais nul, hein, très clairement. Il y a vraiment pas de débat possible, j'ai juste pué la merde sur ce move. Là, faut que j'élimine le vert. Genre, ce serait bien de le faire un jour. C'est un peu le but du jeu. Et GG, Ruby Prestige, let's go, 600 stars. Yep. Attends, hop.
Hop. Oh, oh, qu'est-ce que c'est beau en rouge. C'est tellement stylé. Et voilà les gars, 600 stars en Bedwars. C'est... ouais, non mais regardez la couleur, il est magnifique. Ce prestige. Pourtant, genre 600 stars, c'est pas si haut que ça. Genre forcément, ça prend du temps, mais... Genre tu dis, sur les leaderboards, il y a littéralement des mecs qui sont niveau 2800. Mais... Ça fait son petit effet, je trouve, 600 stars. Genre vraiment, quand j'ai commencé le Bedwars, et que j'étais dans des lobbies, dans le lobby 1 justement, et je voyais les gens qui parlaient dans le chat, et j'étais en mode... Ouais, ce prestige là, le rubis, je le veux. Et ben on y est. Après 3 ans, genre j'ai commencé en 2018 sur iPixel. Ce fut une longue aventure. En vrai j'ai beaucoup kiffé, à part certains trucs un peu pénibles on va dire. Genre typiquement aujourd'hui on a fait des games qui étaient pas ouf. Le serveur il nous aide pas vraiment des fois. Des fois le serveur t'as l'impression qu'il te déteste et que genre vraiment il va te mettre tous les bugs possibles juste pour t'empêcher de jouer. Mais voilà, on a réussi à faire les 600 stars, c'est-à-dire que je ne grinderai plus jamais sur iPixel techniquement. Et il y a un mec qui vient de se follow sur Twitch, j'oublie tout le temps de dire qu'il est derrière. Mais voilà, bah, petite dédicace à Team Enigma. Bienvenue mec, merci du follow. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, ciao tout le monde.